tout le monde, c'est Nascar, je vais vous aller bien, comment ça se fait? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, ça me fera super plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve vraiment sur bonne vidéo de détente, voilà. Comme vous l'aurez compris, peut-être au titre, on va faire du zombie tout simplement, mais pas n'importe quelle map zombie, on va faire du Kill of the Titan, voilà, une map qui me plaît énormément. Donc voilà, je vous propose qu'on est bien sur PS4, voilà, on est bien sur PS4. Et puis voilà, donc là c'est pas la chaîne Select, donc on va faire du zombie sur Kill of the Titan. Donc j'ai pas encore le PC pour faire des custom maps zombies, mais normalement vers 2018, normalement je l'aurai en début 2018. Et là je me suis dit, vas-y, on va faire une petite vidéo BO3 avant la sortie de la bêta de World War 2, WW2, World War, non, laisse tomber. Donc une vidéo sur BO3 avant la sortie de la bêta de World War 2. La bêta dure 2-3 jours je crois. Moi personnellement je l'aurai bien évidemment. J'ai seulement commandé la World War 2, je l'ai précommandé. Du coup j'aurai la bêta privée de World War 2. Et puis voilà, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et puis let's go. Ok, donc voilà, on se retrouve sur mon facecam. Donc c'est parti solo. Donc voilà, j'ai pas acheté les DLC là, donc de The Giant, The Golden Shima, God Crovy et Révélation. J'ai acheté que le Dir Essendrash et le DLC 5, c'est vraiment un Dir Totem, Verek, Shinonima, Kinder Totem, Ascension, Shangri-La et Moon et Origin. Donc aujourd'hui, on va faire la Kinder Totem, c'est parti. Donc voilà, donc ça met un peu de temps à s'annoncer. J'ai hâte de découvrir simplement cette bêta de World War 2 qui me hype. Donc je pense que c'est un des Call of Duty qui me hype parce qu'en fait ça va être tout mon premier jeu que je vais avoir tout simplement à l'heure qui sort ou je sais pas quoi. À l'heure qui sort. Donc voilà, je suis vraiment super content, super heureux. Donc voilà, déjà je regarde là parce que je regarde si bien le focus est fait. Je regarde si d'avoir un média il récupère bien, etc. Donc c'est bon. Des fois pendant le zombie par contre si je mets sur pause ou je fais des coupures c'est normal. Si je fais des pauses c'est parce que je regarde un peu si ça arrive bien tu vois. Et si je fais des coupures c'est vraiment parce que soit je me fais des points, enfin de toute façon si je fais une coupure je vous le dirai. Donc là ça met un peu de temps de charger. Le 1911, donc le M1911 qui est apparu sur Kill of the Titan, voilà. Par contre je crois que j'ai pas le son. Je sais pas. C'est pas grave si j'ai pas le son. De toute façon, vous connaissez le bruit du M1911. Si vous connaissez pas le bruit, si vous avez pas le son du jeu, je sais pas si vous aurez le son, mais si vous avez pas le son, n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo une autre vidéo quand il est sorti. Je sais pas, une vidéo de Skyros ou je sais pas qui fait du Black Ops 3. Donc c'est parti, les zombies ont déjà commencé à spawn. Allez. Ok, hop. Hop là, donc voilà, ça va être assez une vidéo détente. Donc là, je pense que ici je vais mettre assez bien. Donc, bien évidemment, je vous conseille de sur n'importe quelle map au début, vous prenez un petit quick revive. Donc, en gros, si vous mourrez, ça vous réanime. Et je crois que vous en avez 3 par partie. Vous avez 3 quick revive limités à partie. Donc voilà, donc ça en gros, si vous mourrez, ça vous réanime quand vous êtes seul. Hein. Si vous êtes à plusieurs. Je trouve que ça sert un peu à rien, mais au cas où, tu vois, si vous êtes en grosse manche, etc., avec des potes, et ben vous prenez un petit peu de travail, comme ça, ils n'ont pas besoin de bien vous réanimer. Et puis, ils restent dans leur concentration. Donc, moi, je prends toujours le H20 en premier. Après, je prends l'RK5 en haut. Et après, je me fais quelques zombies ici. Et après, j'ouvre la porte. J'ouvre les portes pour aller du côté pour allumer le courant. Et. Hop. Et après, une fois que j'allume le courant, etc. Et je me fais des petits zombies, etc. Et puis j'essaye d'aller dehors. Donc, je vous montrerai où c'est la main dehors. Hop là, on va prendre la petite main restante. Même si ça sert un peu à rien, mange deux. C'est toujours ça, tu vois. Je vais te donner deux coups de cut. Donc c'est déjà ça. Mais ça peut être très très utile pour les quand vous êtes en croche manche. Si vous avez une putain d'arme de. Quand vous êtes par exemple manche 20, vous avez une arme mais absolument pourrite. Ça peut être très utile de l'avoir. D'avoir sa main restante. Mais je pense que le meilleur atout, ça reste munitions max. En fait, ça dépend, en fait. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Si par contre, vous êtes en mode munitions max, si vous êtes en grosse, grosse manche, c'est la machine de la mort et mort instantanée. Et si vous voulez absolument des points pour ouvrir votre porte, si vous êtes en map découverte, c'est x2. Voilà.
Ouais, putain, putain. Wow. Et j'avais pas pensé à ça quand j'étais en choix. Alors là, j'ai un petit munition max qui m'a pas trop servi à quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai pas encore utilisé la Sheva. Mais bon. Non! Voilà. Donc là, j'ai fait le con. Parce que je me concentrais pas du tout sur le gameplay. Donc voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les deux pistolets améliorés. Voilà, quand vous êtes. Donc il revive, donc voilà, donc là vous revivez. Je prends tout de suite RK5 car c'est une arme très très efficace. Hop. Donc c'est parti. Hop, toi j'ai de côté. Hop là. Donc voilà, là on va un peu. On va reprendre, hein. Moi chaque fois que je meurs, je reprends un quick revive et j'essaie de pas faire le con, voilà. Moi le quick revive en fait c'est. Quand vous en prenez un, prenez pas la confiance, vous faites comme si vous en avez pas. Parce que là je savais que j'en avais un et puis je vous ai dit un peu autre chose, donc là je vais vraiment me concentrer sur le gameplay. Voilà, donc si vous en avez un, faites comme si vous en avez pas, tu vois. Tu vois, comme ça, tu restes concentré bien. On va prendre la confiance. Ok, let's go. Hop. Franchement, la Sheva, des fois, elle peut être très très utile. Bon. Voilà, on va prendre RK. Let's go. Ouh ! Putain, il arrive par derrière. Fils de pute. Hop là. Normalement, ouais, voilà. Je me fais une bonne tonne là. Ça fait beaucoup de rampants. Qu'est-ce qui est cher quand vous jetez des grenades? Ça fait souvent des rampants. Des fois ça les tue, mais sinon ça fait des rampants. Tiens, ouais, yes, x2. Ça peut peut-être être très utile. Oh, voilà, la mèche de la mort. Donc là, quand vous êtes aux grosses manches. C'est un truc de malade ce truc. Quand vous êtes aux grosses manches, ça peut être très très utile. Ça, tout simplement, voilà, ça peut être très très utile quand vous êtes aux grosses manches. Car bah, c'est une des armes les plus cheatées, voilà. Pourquoi c'est barré par contre les zombies? C'est une des armes les plus cheatées, limite plus que la. Ouais, plus que le laser, voilà. Plus cheatée que le laser. Par contre, plus cheatée que le laser numéro 2, donc le Mark 2, ça je sais pas. Mais il est pas plus cheaté que le souffleur bah, sur cette main, voilà, sur Kingdom Death Totem. Je sais plus, je crois que c'est. Moi je l'appelle souffleur parce que ça fait comme des vents, comme des ronds d'air. Mais. Oula, oh là, oh, oh, j'ai les chiens là! Ok. De toute façon, ils sont tout simples, mais bon. Tu vas prendre la Sheva. On peut user des balles d'RK pour les chiens, quoi. Hop. Bon, là, les chiens, ils sont vraiment pas du tout. Enfin, ils sont très faciles à tuer. Mais par contre, ils vous font assez mal quand ils vous touchent. Donc voilà, vous avez un petit munition max. Hop, on va recharger. Donc voilà, quand vous avez munition max, rechargez toujours. Voilà. Donc, let's go. Donc là, c'est 4000 points. Donc, je pense qu'on va commencer bah, déjà à ouvrir. Ok, donc la boîte, pour savoir, faut activer l'électricité. La boîte, elle est. Ah non, c'est pas ça. Ok, donc voilà, on ouvre les portes. Je pense qu'on va faire un peu de points ici. Ça peut être pas mal sympa. Donc, ah, oh, la MP40! Genre! Je crois qu'ici, c'était la Kuda. Bah, attends, on va prendre direct, gros. Genre, ils ont mis la MP40! Oh my god! C'est stylé! Shit! C'est bien ça! Par contre, elle est pas plus cheat que la Kuda. Ils auraient dû. Enfin, en termes de puissance, ils auraient dû laisser la Kuda. Parce que la MP40, ça va, mais toujours, elle est pas mal. Mon zombie, c'est pas encore ça. Ok, donc là, ça arrive. Hop! Oh. Voilà, donc. Hop, c'est parti. Donc là, on est dans le. Ok, ouais, ouais, je vais prendre. Ouf! Ok, donc on va commencer encore à ouvrir. Ah, la boîte, elle est là! Yes! Donc normalement j'ai assez pour celle-là, pour activer le courant, yes. Donc là on va activer tout simplement le courant qui se trouve ici. Donc allez 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 allez. Donc on active le courant, après on va sortir des petites boîtes, tu vois, au calme. Par contre j'aime pas quand la boîte elle est dans la salle, la garde-robe là. Parce que là-bas en fait, quand vous êtes coincé par des zombies, c'est bah, vous pouvez rien faire en fait. Ah rien. Putain il n'est pas encore actif. Ah oui c'est vrai putain faut activer là-bas. Oh, je suis vraiment con. Donc voilà, en même temps, je joue un petit tuto sur Kingdom Death. Sur Kingdom Death Totem. Donc là, vous activez ici, une fois que vous avez activé. Pour aller au... Là, c'est pour aller au Pack-a-Punch. Hein. Donc là, vous activez ici. Donc vous maintenez pour activer le lien vers la plateforme. Vous retournez tout simplement bah, au début au spawn. Vous retournez au spawn, vous allez à cette plateforme juste ici. Et bon, vous faites activer le lien vers le noyau. Et de ce moment là, ça va charger. Je crois qu'au début, vous pouvez y aller direct, je crois. Je crois que vous pouvez y aller direct, voilà. Donc là, vous pouvez utiliser le téléporteur pour aller au pack-a-punch. Mais après, vous ne restez pas éternellement au pack-a-punch, je crois que vous restez genre 30 secondes. Donc en gros, vous avez le temps d'améliorer vos armes, voilà. Quand vous restez, voilà. Donc
Vous avez le temps de maniobrer vos armes. Et voilà, quand vous utilisez le téléporteur. Hop, tac. Oh! J'aurais pas dû donner un coup de couteau. Hop. Wow, calme-toi, toi. Oui, c'est vrai, il est tout machin là. Ça, ça fait pas très mal, mais par contre, quand ça meurt, regardez, je vous montre. Là, ça dégage une espèce de fumée. Donc voilà, ça dégage une espèce de fumée. Quand vous allez dedans, bah ça vous floute et ça vous ralentit. Non. Putain. Oh là là. Putain, j'ai fait le con, j'étais resté bloqué ici. J'aurais pu peut-être passer ici, je crois. Mais je crois qu'il y avait un zombie. Donc on va prendre ça, hop. Donc là, faut pas que je fasse le con parce que bah, j'ai pas de cucrevaille. Et il m'en reste un de cucrevaille, donc je vais en prendre un tout de suite, le dernier tout simplement. Hop, tac. Et là, je pense qu'on va faire des boîtes après. Ah oui, il y a des gobble gum aussi. Oh, j'avais oublié ça. Donc là, normalement, c'est mon dernier cucrevaille. On va voir ça. Ouais, voilà, c'est le dernier. Donc voilà, là, j'en ai plus. Et là, boum, il disparaît. Voilà, donc là, il réapparaîtra plus. Parce que si à mon avis le cucrevaille c'était limité, ce serait beaucoup beaucoup trop cheaté en fait. Alors je sais pas s'ils ont remplacé la canne qui était au début là. Bah j'espère pas. Donc elle était dans la garde-robe, donc je vais me dépêcher d'y aller. Hop, oh oui, yes, elle y est toujours. On va le repasser par la patte de l'arc à 5. Vite, prends. Putain, j'ai passé. Oh le con. Prends une botte avec toi. Voilà, ici, quand vous êtes bloqué par les zombies, c'est vrai. Allez, une bonne arme. Oui! Oui! Oui, ta mère. Tiens! Donc là, c'est ce truc que je vous. Voilà, c'est vraiment spécial que je vous parlais tout à l'heure. Par contre, cette map, je ne sais pas où est Windows One. Et ça, ça me casse les couilles. Donc je vais essayer d'explorer un peu la map avec vous, parce que je n'ai pas totalement exploré la map, moi. Voilà, ça, savoir. Voilà, bah, je la connais déjà, hein, mais sur Bo 3 j'ai pas totalement exploré. Sur Bo 3 en fait je cherche plus à faire des branchements, je trouve qu'il y en a certaines. Puis voilà, par contre en fait voilà, je sais pas où est Windows One, puisque Windows One il était pas sur Black Ops 1. Je crois même qu'il y avait pas les atouts sur Black Ops 1 si je me trompe pas. Ok, ça c'est des pièges. Donc il y avait une pièce ici, je crois, où il fallait activer, voilà. Donc une porte que j'ai jamais ouvert ici. Mais voilà, moi mon atout que je veux c'est Windows One. Qui a un atout bah, un peu de base, qui coûte très très cher, je crois qu'il coûte 4000, mais quand vous l'avez, vous êtes bien content. Donc aussi le pistolet éclair, quand, par contre, quand vous restez un, rechargez pas, parce que les munitions sont très très précieuses, car bah, ça a l'air un peu utilisé. Par contre, là, il n'y a pas de zombies. En même temps, je fais que de bouger de salle en salle. On va essayer d'ouvrir la porte là-bas. Ah ok, il restait un. Vraiment. Donc bah, j'espère qu'on... Bah ça va être bien là, voilà. Donc là on est déjà manche 8, c'est très très bien. Donc au pire, ouais, non, je vais pas faire de coupure. Franchement, ça va être une vidéo détente, tu vois. Ça va être vraiment une vidéo détente très très calme. Ah ouais, merde, attends, y'a pas le focus là, je crois. Attends, voilà, bien. Voilà, comme ça. Donc voilà, je vais pas faire de coupure spécialement dans cette vidéo. Voilà. Donc c'est parti. Ah oui, là vous avez une tourelle automatique si vous voulez. Voilà, tous les zombies qui arrivent. Mais franchement, 1500 pour ça, c'est pas trop. Bon, en plus, je crois que les zombies peuvent vous toucher par derrière si vous n'êtes pas avec un pote. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr parce que j'ai jamais utilisé. Je trouve que ça sert à rien en fait pour 1500. Ouais. Au pire, t'as de la. Oh voilà, ça fait ça pour voir t'as de la fumée. Au pire, t'espères pour un atout pour une machine de la mort ou c'est un souffleur, bah tu sais, mais. Donc voilà, je vous montre une fois le souffleur, voilà pour la vidéo. Regardez, là vous avez 2 minutes, boum! Attends, on va attendre qu'il recharge. Voilà, c'est stylé comme il recharge en plus. Hop! Ah yes, un double point, yes, c'est puis qu'est-ce qu'il me fallait? Non, 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 putain! Oh, j'ai fait le con, alors là. J'ai fait absolument le con. Donc là c'est le Mustang et voilà. Donc ça c'est comme le. Quand le 1911 était. Et amélioré. Hop, on va recharger ça. Je pense qu'on va faire un peu tourner. Attends, là je me concentre bien. Hop, là je pense qu'on va faire un peu tourner. Allez, venez, venez.
On va commencer à en faire un peu tourner et après on va faire un coup de souffleur. Et comme ça on sera à masse point, je pense. Hop, tac. Voilà, là vous avez mal enlevé, donc ça on va tout one shot avec le souffleur. Pour le pistolet éclair. Hein, tac. C'est quoi cet arme? Ah, ici un A. Mais j'ai fait crever là. Hop, là on va aller là. Et on va aller loin sur cette allée. On va attendre que tout arrive. Et là, hop, que tu dégages. Et là. C'est énorme. Et voilà. Bam! Bam! On va pas tout user non plus. Et après on va l'améliorer. Non, j'ai plus de balles. Bah je pense qu'on va... Ouais, on va prendre la Ken. Oh, c'est quoi? Putain, je fais l'argent. On va prendre la Ken, on va pas prendre de risques. Allez, hop, une petite Ken. Je pense qu'on va faire une petite botte. Ah non, on va ouvrir la porte là-bas. Que j'ai jamais découvert. Voilà, en même temps, on explore un peu la map, tu vois. Donc je pense qu'on la connaissait largement sur cette map parce qu'elle a fait un énorme succès sur Black Ops 1. Et quand elle est arrivée sur Black Ops 3, bah laisse tomber. Elle a fait un énorme succès avec 500 sous et tout. Donc bah voilà. Donc normalement vous la connaissez. Ok, on ouvre. Ouh, on a une petite pièce. Ok, donc là on a des pièges, on a beaucoup de pièges. Et puis c'est tout. Voilà, on a un allié sur dehors. Ouais, là quand vous frappez normalement vous avez ça en même temps. Là, ah, on peut ouvrir la porte ici, bah tu vas l'ouvrir, hop. Et là, ah ouais, on a très d'or. Yes. C'est bien ça. Ah, on a tiré dehors, oui. Mais c'est là que je voulais aller justement. Donc là, je pense qu'on va sortir des points ici, les gens. On va sortir des points ici. Et puis, je pense qu'on va se faire un peu le pack à punch. Et là, je vais crever. Ouais. Oh, ah, putain, non. Oh non. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, sur World War 2. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi ça m'a très bien plu. Donc, si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse d'autres maps, bah dites-moi ça vite. Parce qu'il y a bientôt la bêta, normalement, on peut pas tester les zombies. Dites-moi, je sais pas. Non, bah, la prochaine map, vous savez quoi? Je pense que la prochaine map, soit on fait Dir Essendrash. On fait Dir Essendrash. Ou je pense que soit Dir Essendrash, soit peut-être Ascension. Ou je sais pas, tu vois. On verra bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Noscope. Ciao, ciao.